Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et vous voyez déjà un beau petit fond d'écran. On va parler ici de deux superbes voitures, c'est un mot et gratuit en plus. C'est dans la catégorie WTCC 2007, j'y reviendrai par après concernant cette catégorie parce que c'est un complément de d'un pack que je vous avais présenté qui était à la fois payant aussi. Mais ces deux voitures sont gratuites et je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors on va voir directement de quoi on parle. On va ici voir la première voiture, c'est la Audi A4 RS et c'est la catégorie WTCC 2007. Donc je répète, je vous montrerai ça tout de suite, c'est un complément. Je peux vous dire, comme d'habitude, super bien modélisé, vraiment de haute qualité et c'est vraiment la voiture vraiment idéale aussi pour toute cette catégorie puisque c'est 2007, ça s'est regroupé dans la catégorie de WTCC 2007. Et la deuxième voiture que vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer puisque j'ai fait une petite vidéo là-dessus, c'est la BMW 320E46. Également le même principe, c'est gratuit, donc ça vous coûte pas une thune. Et donc c'est également catégorie WTCC 2007. Ce sont des voitures identiques par rapport à toute la catégorie 2007 que je vais vous montrer, que je vous avais déjà présenté avec le fameux pack WTCC 2007. On va dire un peu le old school. Donc c'est tout à fait dans les mêmes classes au niveau puissance, poids, etc. Donc c'est vraiment un superbe bonus en fait si vous avez déjà le fameux pack. Je vais vous montrer de quoi on parle. Alors ici, de toute façon, ça vient du site que je vous avais déjà présenté pour ce fameux pass Siresca Online. C'est un site italien. Et donc, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on va dire une semaine ou deux, je vous avais présenté ce fameux pack Assetto Corsa Vintage 2006-2007. Et dans cette catégorie, vous aviez déjà l'Alfa 156, la BM 320, la Chevrolet Lacetti, la Seat Leon, la Seat Toledo, la Honda Accord et la fameuse Peugeot, la Peugeot 407. Donc, ces deux voitures que je vous présente ici, elles sont gratuites, elles ne vous coûtent rien. Maintenant, imaginez-vous que vous n'avez pas ce pack WTCC Vintage, il n'y a pas de problème, ce sont des voitures que vous pouvez avoir séparées. Maintenant, naturellement, si vous voulez ce pack, rappelez-vous que je vous avais proposé ce pack avec un beau petit, belle petite ristourne de 50%. Sachez que ce pack d'origine est payant et coûte presque 20 €, 19,50 €. Mais bon, vous avez ici 8 voitures, donc je vous avais déjà expliqué cette vidéo. Nous, on parle aujourd'hui en tout cas de ces deux voitures gratuites. Donc je répète, la Audi A4 RS WTCC 2007 et la fameuse BM 320 E46 WTCC également. Alors lorsqu'on va voir ça, qu'est-ce que ça donne dans Content Manager? Ben, vous voyez ici, j'ai, on va dire, un beau petit regroupement de super voitures pour faire des open ou peu importe, ou pour faire des courses avec cette catégorie 2007, 2006, 2007 vintage. Et donc effectivement, vous voyez ici donc la Audi A4 avec effectivement quelques skins qui sont, voilà, certainement, en tout cas je vais vous montrer l'intérieur au niveau habitacle, c'est vraiment superbe. Et la BM, la 320E46, pareil, vous voyez vraiment des super skins, donc ici aussi un boulot très soigné. Vous allez voir ici au niveau habitacle, au niveau suspension, force feedback, vraiment le top. Pour ceux qui ont le pack WTCC Vintage 2007, à ce moment-là, ils vont direct me comprendre, ils savent que c'est vraiment un pack et deux voitures de qualité. Donc je répète, deux voitures gratuites, je vous mettrai de toute façon le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vais faire un essai pour vous concernant ce pack. Je mettrai également le lien puisque ça c'est vraiment un circuit
typiquement anglais. Bon, naturellement, c'est un circuit qui est fort utilisé pour le Grand Prix aussi, pour le Grand Prix de moto, etc. C'est un circuit fort étroit, mais franchement dit, ça vaut la peine. C'est le Canwell Park, c'est en Angleterre. Donc ici, vraiment super tracé. C'est vraiment un tracé de haute qualité aussi. Je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc nous, on va se retrouver directement sur la piste pour essayer la fameuse Audi A4 et la BMW 320 E46 sur le circuit de Canwell Park. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc sur ce fameux circuit de Canwell Park. Je vous répète, en tout cas, ce circuit, c'est un circuit assez spécial, très étroit. Donc je veux dire, c'est vraiment un circuit assez chaud, très technique aussi. Vous allez voir ça direct. Et on va directement tester la première voiture. C'est la Audi A4 RS, donc WTCC 2007. Allez, c'est parti. Déjà le son. Finition de l'habitacle, nickel. On sent bien le retour de force, les bosses. Boîte séquentielle, obligée. Très bon grip, on sent vraiment bien dans le volant. Les freins aussi. Spécial ici, cette chicane. Ah, ça descend fort ici. Oh putain, ça monte, on voit rien du tout. Oh, c'est chaud ici, voilà. Voilà, on va me mettre sur le côté. Voilà. En tout cas, tracé, c'est quand même assez chaud. Ça promet, ça peut ouais, promettre quand même aussi des courses spectaculaires. En tout cas, pour cette première voiture, cette Audi A4 RS, donc WTCC 2007, franchement dit, nickel. On sent vraiment tout. On sent les bosses, l'imperfection. Très bon force feedback. Très bon travail au niveau du châssis. L'habitacle, il n'y a rien à dire, vraiment ça, c'est vraiment un super pack et en plus c'est gratos. Et on va directement tester la deuxième voiture, on se trouve directement, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour cette deuxième voiture, c'est la fameuse BMW 320 E46, donc c'est vraiment la classe WTCC 2007, toujours le même circuit, le Canwell Park, et on va directement tester cette voiture sur un tour, ne pas faire 100 tours, simplement pour vous montrer. On vient d'essayer la Audi, franchement dit top, on va voir ce que ça vaut cette Audi, cette BMW, pardon. Allez, on va écouter le son. Ouais, typiquement BMW. Rien à dire au niveau habitacle, vraiment très belle immersion. Ah, typiquement le bruit de BM ça. Feedback excellent aussi. Très bon frein aussi. Thank you.
drôle de chicane ici, on voit rien du tout. Très réactive la BM. Il n'y a que 5 vitesses aussi. Ah ben franchement, superbe aussi au niveau conduite. Vraiment un plaisir. On entend bien vraiment que c'est BM. Il n'y a que 5 vitesses sur cette voiture. Mais bon, franchement dit, il n'y a rien à dire. C'est vraiment aussi bien au niveau de l'habitacle. On sent vraiment bien tout. Le châssis, transfert de masse, bon force feedback. Voilà, c'est deux voitures gratuites et franchement, ça vaut vraiment la peine et on se retrouve directement pour la conclusion. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la conclusion de cette vidéo. Donc ici, je vous ai donc montré quand même deux voitures qui sont fort intéressantes. En tout cas, je vous les conseille. De toute façon, je vous remettrai comme d'habitude les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc nous avons vu le... deux voitures qui concernent donc la Audi A4 WTCC 2007 pardon, et la fameuse BM 320 E46 WTCC. Donc ici, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je répète, si vous n'avez pas le pack que je vous ai présenté lors d'une vidéo précédente, je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo pour que vous compreniez en fait de quoi je parle. Ici, vous avez vraiment la possibilité de regrouper vraiment un pactage vraiment hyper complet avec ces deux voitures en plus. Et puis de toute façon, si vous avez déjà le pactage, ces deux voitures là sont gratuites. Si vous n'avez pas le pactage, ben rien n'empêche de télécharger ces deux voitures et faites-vous plaisir. Franchement dit, ça vaut vraiment la peine. Il y a moyen de faire des chouettes courses, des chouettes open rien qu'avec ces deux voitures. Naturellement, le but c'est d'avoir le pactage complet pour rester vraiment dans cette catégorie et cette nostalgie de WTCC 2007. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Laissez aussi un petit message dans le commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, mettez-y un petit pouce. Et nous, ben, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.